Bonjour et bienvenue à l'événement Experiment the State of Your Pants d'aujourd'hui. Je serai votre hôte et je m'appelle Alexandra. Donc bienvenue à tous, nous avons vraiment hâte à cette nouvel événement de la série de découverte des sommets des parcs de montagne en partenariat avec Parc Canada. Depuis tantôt, c'est vraiment le fun. Donc aujourd'hui, nous allons partir au lac Louise avec Annec. Est-ce que vous aimez les randonnées dans les montagnes ou le camping sous les étoiles? En tout cas, elle a une surprise pour nous. Je peux vous dire que ça va être vraiment beau là-bas, en tout cas. Fait que, avec la série de Parc Canada, on parle de plein de sujets, puis on voyage à travers le Canada. Et aujourd'hui, on part en Alberta avec Anaïk qui va s'en venir. Oups, elle est où? Là, Anaïk. Vous me voyez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, elle est là. Comment c'est vraiment beau derrière toi? C'est incroyable. J'essaie de me dégager un petit peu. Je vais essayer de montrer un peu plus. Wow. Mais derrière moi, on peut voir le glacier Victoria. Donc, je m'appelle Anaïk, comme Alexandra l'a dit, et je me trouve au lac Louise. Donc, comme vous pouvez voir, c'est encore le royaume de l'hiver derrière moi. Il y a beaucoup de neige. Mais Jessie, est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble en été, s'il te plaît? Alors, le lac Louise est situé dans le parc national Banff. Et nous reconnaissons que le parc se trouve dans le territoire actuel des Premières Nations signataires des traités 6, 7 et 8, ainsi que sur le sol natal des Métis. Pendant des millénaires, les peuples autochtones ont utilisé les terres et les eaux du parc pour leurs activités de subsistance, leurs cérémonies, leurs échanges commerciaux et leurs déplacements. Nous les remercions de leur intendance continue et nous sommes très reconnaissants qu'ils veuillent bien partager avec nous ce magnifique territoire. Alors, en parlant de territoire magnifique, je vais essayer de vous montrer un petit peu la vue derrière moi et juste que vous ayez un aperçu du lac Louise. Voilà. Est-ce que c'est pas absolument magnifique? Hop. Donc, je sais que nous sommes dans des endroits un petit peu différents. Vous venez d'un peu de tout le Canada. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous utilisiez votre boîte de dialogue, de discussion, pour partager votre ressenti, comparer votre parc local préféré avec le parc national Banff. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que vous voyez dans votre parc national ou local préféré? Par exemple, si ça se situe en bas de chez vous, au bout de la rue, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Est-ce que vous pouvez écrire des mots comme enfant, les animaux que vous voyez, balançoire? Donc, je vous invite à utiliser la boîte de discussion pour ça. Alors, je ne vois pas les réponses, mais... Moi non plus, pas pour l'instant, mais ça s'en vient. Je pense que les gens attendent de taper. En tout cas, moi, juste en face, j'habite en Gaspésie, au bout du Québec, à l'est-l'est du Québec. Et juste en face de ma fenêtre, là maintenant, il y a le parc Fouréon. Il y a la mer entre les deux, il y avait de la glace encore hier, il n'y en a plus. Mais il y a plein de vagues aujourd'hui, plein de vent. Et il y a encore de la neige sur le parc Fouréon pour le ski de fond. J'ai vraiment hâte. Ah, et il y a Elisabeth Barrette, la professeure, là, qui dit qu'il y a des animaux, des montagnes, parce qu'eux aussi sont proches du lac Banff et des rivières. Super. La pêche aussi. Et oui, peut-être on a un peu plus de neige au lac Louise qu'à Banff, mais c'est pas mal la même chose. Okay, c'est super beau, ça m'a envie d'aller faire plein de ski. Les visiteurs, les randonnées, ouais, c'est plein de belles idées et j'avoue que dans plein de parcs, on voit ça ici aussi. En effet, c'est le gros point commun, c'est d'accueillir toutes les personnes qui veulent avoir accès à nos parcs. Alors, quand je vois les réponses, souvent, on se rend compte que chaque parc est un peu unique, que tous les parcs sont vraiment différents les uns des autres. Et quand les visiteurs viennent dans les parcs nationaux des montagnes, on s'aperçoit qu'ils ne savent pas toujours à quoi s'attendre, qu'ils ne savent pas toujours comment se comporter. Et je vais partager avec vous quelques histoires d'incidents réels qui se sont passés dans les parcs, dans le parc national Banff, et de situations qui ont mal tourné. Alors Jessie, est-ce que tu peux nous montrer la vidéo numéro 1, s'il te plaît? Nous nous rendons à un endroit où un visiteur a une rencontre avec des ours en 2019.
Le 4 juillet, en soirée, une femelle grizzly qu'on appelle l'ours 142 a amené ses oursons dans le camping. Les ours se sont arrêtés pour inspecter une tente où un jeune homme était endormi. Mais il n'y avait qu'une très fine épaisseur entre lui et les ours. Il s'est réveillé tout de suite et s'est mis à crier. D'autres campeurs qui se trouvaient dans leur véhicule et avaient assisté à la scène ont commencé à klaxonner pour faire peur aux ours. Le personnel de Parc Canada a été appelé sur les lieux et très vite, nos collègues ont compris pourquoi les ours s'étaient approchés de la tente. Il y avait de la nourriture à l'intérieur de la tente. Les ours ont un odorat extrêmement développé, l'un des plus puissants, l'un des meilleurs du règne animal, et ils peuvent sentir la nourriture à des kilomètres à la ronde. Et pas seulement la nourriture, mais les barbecues, les réchauds, les casseroles, les bols de nourriture de notre animal de compagnie, les affaires de toilette et les déchets. Tout ce qui a une odeur attire les animaux. Si vous allez vous coucher ou si vous quittez temporairement votre emplacement, n'oubliez pas de le nettoyer avant de partir. Vous pouvez ranger vos articles en lieu sûr dans un véhicule ou une roulotte à parois rigides ou encore les placer dans un casier à provision à l'épreuve des ours. Les déchets, eux, vont dans les poubelles à l'épreuve des ours. Cela fait beaucoup de détails à retenir. C'est pourquoi Parc Canada a créé le programme des emplacements de camping propres pour vous aider à savoir comment ne pas attirer les animaux et pourquoi il est important de garder votre emplacement propre. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé aux ours. Eh bien, cette histoire se termine sur une note positive et heureuse puisque plus tard, pendant l'été, l'ours 142 est revenu dans le camping, mais elle a passé son chemin sans aucun incident. Les ours préfèrent éviter les humains, mais quand ils apprennent à nous associer à de la nourriture, tout change. Ils deviennent conditionnés et habitués à la nourriture humaine et ils vont alors tout faire pour s'en procurer. Peu à peu, ils ne sont plus effrayés, ils n'ont plus peur de nous. Cela devient alors dangereux et il nous faut parfois abattre les ours qui sont habitués. Parc Canada a mis en place une règle temporaire pour ce camping. Seules les roulottes à parois rigides sont autorisées. Ainsi, les ours ne sont pas tentés de venir chercher de la nourriture dans les tentes. Il est important de prêter attention à ces règles temporaires qu'on appelle des ordonnances de restriction d'activité. Prenez l'habitude de lire les panneaux au début des sentiers, dans les campings ou de vérifier en ligne avant de venir. Bon, désolé, la vidéo était peut-être un peu saccadée, mais j'espère que vous avez eu l'essentiel du contenu. Donc pour faire suite à cette vidéo, j'ai une petite question à vous poser et vous pouvez aussi utiliser votre boîte de dialogue pour répondre. Alors, vrai ou faux, le programme des emplacements de camping propre sert à protéger les visiteurs et aide les animaux à rester en vie et sauvages. C'est une histoire impressionnante en tout cas. quelqu'un dans le chat a dit vrai. Vrai, ok. Les animaux sauvages, vrai aussi, dit une autre personne. Mm-hmm. Alors, c'est quoi la bonne réponse? Eh bien, écoutez, vous avez tout à fait raison. C'est absolument vrai. Quand vous gardez un emplacement de camping propre, il n'attire pas les animaux sauvages. Et c'est donc beaucoup plus sécuritaire pour les visiteurs et pour la faune. Parce que lorsque les animaux sont attirés dans les campings ou sur les bords de route, il y a beaucoup plus de risques qu'ils soient heurtés par un véhicule ou qu'ils rentrent en conflit avec les humains. Une chose importante aussi, c'est que pour rester en bonne santé, les animaux sauvages ont besoin de trouver des sources de nourriture qui sont naturelles. Ils n'ont pas besoin de nourriture humaine. Bon, sans plus attendre, du coup, nous pouvons passer tout de suite à la vidéo numéro 2. Pendant l'été 2019, je guidais un groupe de randonneurs sur le sentier du glacier Stanley quand quelque chose d'inattendu est arrivé. Sur la dernière partie du sentier, j'ai entendu quelqu'un crier derrière moi. Je me suis retournée pour voir Jeanne, l'une des participantes, étendue sur le sol.
Jeanne s'est relevée tout de suite, mais elle avait l'air assez ébranlée et elle se tenait le bras droit. Elle m'a expliqué qu'elle avait trébuché sur une roche et qu'elle était tombée dans une position bizarre. Je lui ai administré les premiers soins et après une période de repos, elle se sentait assez forte pour pouvoir continuer à marcher jusqu'au début du sentier. Le mari de Jeanne l'a emmenée à l'hôpital le plus proche où elle a été traitée pour une fracture du poignet. Ce n'était pas la plus belle façon de terminer notre journée de randonnée, mais ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. Je vais maintenant vous présenter un scénario un peu différent. Suivez-moi. Cette fois-ci, Jeanne est toute seule. Elle se foule la cheville. La douleur est si intense qu'elle ne peut supporter aucun poids sur son pied et elle est assez loin de son point de départ. Alors, qu'est-ce que Jeanne fait ? Elle cherche son téléphone. Mais dans les montagnes, il n'y a pas de réseau cellulaire. Alors, elle se met à crier, mais il n'y a personne aux alentours pour l'entendre. Jeanne décide de régler la hauteur de ses bâtons de randonnée pour en faire des béquilles. Elle pense que peut-être, en sautant, elle peut aller jusqu'à son point de départ. Mais la douleur est trop forte et c'est très fatigant. Jeanne est vraiment dans une situation difficile. Elle ne peut pas appeler à l'aide, elle ne peut pas se déplacer jusqu'à son point de départ. Personne ne sait où elle est. Puis, il commence à pleuvoir et à faire froid et la nuit tombe. Dans les parcs nationaux, un petit incident peut avoir de graves conséquences qui parfois peuvent même être mortelles. Voici ce que vous pouvez faire pour vous préparer avant de partir en randonnée. Choisissez quelqu'un de confiance et dites à cette personne où vous allez. C'est l'endroit où je vais, c'est l'heure à laquelle je rentre. S'il te plaît, va chercher de l'aide si tu n'entends pas de mes nouvelles. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de randonner avec quelqu'un. Choisissez quelqu'un de votre famille ou un ami si vous le pouvez. L'union fait la force. Apportez un appareil de communication par satellite, un dispositif tel que Spot ou InReach, et sachez vous en servir. Votre téléphone cellulaire n'est pas fiable dans les montagnes. Aussi, faites en sorte d'apporter dans votre sac à dos des articles essentiels. Vous devriez toujours avoir de l'eau, de la nourriture, mais aussi différentes couches de vêtements de rechange pour vous tenir chaud, comme une doudoune, un bonnet, des gants. C'est très important comme le temps peut changer rapidement dans les montagnes. Si d'habitude, ce sont vos parents qui s'occupent des préparatifs lorsque vous faites des activités dans les parcs nationaux, je vous encourage à y participer. Vous pouvez vérifier les pages Internet de Parc Canada. Vous pouvez aussi faire des lectures. Nous avons différentes brochures qui peuvent vous aider à vous préparer. Une fois dans le parc, rendez-vous à un centre d'accueil et posez vos questions directement au personnel. Nous sommes là pour vous aider. Très bien. Alors, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo et c'est un article très important lorsque vous préparez votre sac à dos de randonnée pour la journée qu'il ne faut absolument pas oublier. Je vais le montrer sur la vidéo et si vous savez ce que c'est, vous pouvez l'écrire dans la boîte de dialogue. J'attends vos réponses. Merci pour tous ces bons conseils pour le sac à dos, mais j'ai hâte de savoir c'est quoi ce truc. Comment tu l'utilises aussi? Je dirais que vous avez apprécié la météo quand on a... Oh, tout le monde a répondu à un beer spray. C'est ça. Moi, je ne sais pas le mot français, mais un beer spray, je pense que c'est la bonne réponse que les gens donnaient dans le chat. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, c'est une bonbonne de gaz poivré. Et donc, cette bonbonne de gaz poivré peut vraiment s'avérer très utile lorsqu'un ours vous charge. Donc, ça peut vous protéger et ça peut faire fuir l'ours. Imaginez que vous vous preniez un jet de spray poivré très concentré et très piquant en plein visage. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, les ours n'aiment pas tellement ça non plus. Donc, ça nous aide à rester à une bonne distance d'eux. Deux choses à savoir, par contre, quand vous emportez votre gaz poivré, c'est très important de l'avoir à portée de main. Donc, ça veut dire pas au fond de votre sac à dos, parce qu'il sera probablement trop tard pour l'utiliser. Donc, vous pouvez l'accrocher avec un mousqueton sur la bretelle de votre sac à dos ou directement à votre ceinture, par exemple. Un autre conseil important, c'est de savoir comment vous en servir. Et ne vous inquiétez pas, je vais partager avec vous à la fin de ce programme un lien qui va vous montrer une vidéo, une démonstration du gaz poivré. Donc, je vous encourage fortement à aller visionner cette vidéo si vous ne savez pas comment utiliser le gaz poivré. Alors, on peut continuer avec notre dernière vidéo. C'est parti.
Nous rendons sur un site où des campeurs ont eu une expérience intéressante avec un chevreuil l'été dernier. Dans l'après-midi du 26 juin, des campeurs se détendaient à l'emplacement B17, quand soudain, un chevreuil passe près d'eux. Le chevreuil a remarqué le chien des campeurs qui était en laisse. Il a commencé à agir de manière agressive et à charger le chien. Les campeurs ont réussi à faire fuir le chevreuil qui s'est éloigné vers un autre emplacement. Mais le chevreuil est revenu et les campeurs ont dû le faire fuir en lui criant dessus, en lui jetant des bâtons. Le personnel de Parc Canada a été appelé sur les lieux. Après enquête, nos collègues ont déterminé que le chevreuil était probablement une femelle qui cherchait à protéger un petit faon caché tout près. Cet incident nous rappelle que tous les animaux sauvages peuvent être dangereux, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils aient des griffes ou qu'ils mangent de l'herbe, ils peuvent tous être dangereux. Pour rester en sécurité et pour respecter les animaux sauvages, le meilleur truc, c'est de leur donner de l'espace. Combien d'espace ? Cette carte d'observation de la faune peut vous le dire. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Vous voyez les animaux là-bas ? Dans la partie sud du parc national Kootenay, il y a des mouflons d'Amérique qui vivent dans la prairie. Je sais que je suis à une distance sécuritaire parce que, quand je tiens la carte au bout de mon bras, le mouflon s'insère dans la case. Il faut rester à au moins 100 mètres des prédateurs comme les ours. C'est l'équivalent de 10 autobus placés l'un derrière l'autre. Les autres animaux ont besoin de 30 mètres d'espace, ou l'équivalent de 3 autobus placés l'un derrière l'autre. Parfois, même ces distances ne sont pas suffisantes. Il arrive que Parc Canada doit fermer de petits secteurs afin d'assurer la sécurité des visiteurs et de limiter les perturbations causées par les humains. Par exemple, l'été dernier, la boucle de la rivière d'eau a été fermée aux visiteurs du 21 juillet au 15 septembre parce que des grizzlies étaient dans le secteur. En donnant de l'espace aux animaux et en restant loin des secteurs fermés au public, vous aidez Parc Canada à entretenir la balance entre les activités humaines et la protection des animaux dans les parcs. Alors, je tiens à préciser que si vous voulez vous procurer une carte d'observation de la faune, je vais aussi ajouter un lien à la fin de ce programme pour que vous puissiez télécharger et imprimer directement la carte à la maison. Mais si vous êtes près de nos parcs, vous pouvez aussi aller directement au centre d'information et en demander une version papier sans aucun problème. Alors, j'ai encore une question vraie ou faux pour vous. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez ? Si vous voyez un animal comme un wapiti, un orignal ou un chevreuil, il faut rester à au moins 30 mètres de distance de ces animaux-là. Donc, c'est l'équivalent de 3 autobus placés les uns derrière les autres. J'attends vos réponses dans la boîte de discussion. C'est sûr que c'est toujours très tentant d'aller les voir, ils sont tellement mignons. Et pas tous, là. Et oui, c'est tentant, mais... C'est pas prudent. Alors, vrai ou faux, selon vous ? Ouais, quelqu'un dit vrai dans le chat. Mm-hmm. 30 mètres. Quelqu'un dit vrai. Tout le monde dit vrai. Tout le monde dit vrai et tout le monde a raison dans ce cas-là. C'est à 100% vrai et on n'insiste jamais assez, mais laisser de l'espace aux animaux, c'est aussi les respecter. Et comme on l'a dit déjà auparavant, les animaux ont besoin de nourriture naturelle, donc ils n'ont pas besoin d'une bouchée de votre sandwich. Ils ont besoin de trouver des sources naturelles parce que c'est comme ça qu'ils restent en bonne santé. Je peux vous donner un exemple de problème qu'on a chaque été avec un tout petit animal qui paraît très mignon, qui s'appelle spermophile. Donc, c'est des écureuils de sol. Et chaque année, les touristes viennent, les trouvent mignons et les nourrissent. Le problème, c'est que l'année d'après, ils sont très peu farouches et ça devient un petit peu des petits monstres. Donc, ils grimpent sur votre sac à dos, ils font des trous dedans pour essayer d'en extraire la nourriture. Ils suivent et ils harcèlent les visiteurs. Ils peuvent aussi mordre, ce qui peut être dangereux puisqu'ils peuvent être porteurs de maladies. Tous ces désagréments peuvent être facilement évités si on respecte les règles. Donc, laisser de l'espace à tous les animaux, quels qu'ils soient, petits ou grands, et ne pas les nourrir. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est à la dernière partie et qu'on peut lancer le jeu questionnaire K-out maintenant. Ça va être l'heure de jouer tous ensemble, j'ai vraiment hâte. Ok, fait que là, je vous incite à aller prendre vos téléphones, vos ordinateurs, vos tablettes, vos quelque chose, puis pour se connecter à Internet pour aller sur kahoot.it, puis il va falloir taper le code qui est le 666.
2407. Puis on va attendre que le monde puisse se connecter avant de pouvoir lancer les questions et jouer ensemble. Ça va être le fun. Vous avez quelques secondes pour tous vous connecter et on va y aller. Rocky Pony. Bien le nom des équipes. C'est tout un programme. Et on a... Ok, je pense que parce qu'ils vont jouer en gang. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que... On y va. Alors, question 1. Votre famille fait du camping dans un parc national. Où devriez-vous pardon, ranger votre nourriture? Alors, vous avez 4 options à choisir. Dans une tente, sur une table de pique-nique, à l'intérieur d'un véhicule ou dans une glacière. Vous avez encore 10 secondes pour répondre. Alors, on va bientôt afficher la réponse. Ouh, les gens n'étaient pas sûrs, hein? Eh oui, alors, je suis contente de voir qu'il y a 0 dans une glacière. Je n'ai pas vu le reste des réponses, je n'ai pas eu le temps, mais la réponse était dans un véhicule ou dans une roulotte à parois rigides. Et pourquoi? Parce que les ours et les autres animaux sont très intelligents. Ils trouvent toujours un moyen d'avoir accès aux autres choses. Et les glacières, ce n'est pas forcément à l'épreuve des ours du tout. D'ailleurs, si jamais vous venez dans le camping de Lake Louise, à l'entrée, on a mis en exemple une glacière qui a été complètement déchiquetée par un grizzly pour montrer aux visiteurs que ce n'est pas un bon endroit pour stocker sa nourriture. Donc, important, gardez votre emplacement propre et mettez tous vos biens en sécurité. Et comme j'ai dit, les biens, c'est les glacières, les réchauds, tout ce qui a une odeur. Alors, on peut passer à la question numéro 2. Ah, on va voir ça. Okay. Ah. Mountain Squid a été la personne qui a répondu le plus rapidement et la bonne réponse. 714 points, oui. Bravo. Les ours et les autres sont très très forts. Là, quand ils veulent manger, ils peuvent y aller. Là. Ah oui, alors, la deuxième question. Qu'est-ce qu'un animal accoutumé? Un animal qui a perdu sa crainte naturelle des humains? Un animal qui mange des plantes? Un animal qui fait toujours les mêmes choses chaque jour? Ou une vidéo TikTok virale? On a déjà 5 réponses, 6 réponses. Ouh, la majorité l'a eu bonne. Eh bien, ouais, c'est super. Alors oui, j'avoue qu'une vidéo TikTok virale, ça m'amuse. Je vais la compter bonne, cette réponse, mais ce n'est pas le but. Donc, en effet, un animal qui perd sa peur des êtres humains, comme j'expliquais, avec les spermophiles, les écureuils de sol ou avec les ours, ça peut être très problématique et voire dangereux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'éviter. Donc, laisser de l'espace aux animaux, c'est la solution pour éviter ce genre de problème. Alors, Mountain Squid, waouh, toujours en tête, 3 points. On va y aller avec la troisième question. Il ne faut jamais donner manger à la faune. Pourquoi? Bon, c'est des longues réponses, hein, je vous laisse toutes les lire là, mais attention à la quatrième qui est toutes ces réponses. Peut-être qu'il y a un piège ici. Alors, il y en a beaucoup qui ont mis donc juste la nourriture attire les animaux sauvages vers le bord des routes. Et c'est vrai que c'est une grosse source d'inquiétude pour nous et que c'est dangereux pour nous et pour eux. On pourrait se faire blesser, c'est juste. Et les animaux peuvent être blessés. Enfin, toutes les réponses, en fait, sont valables dans cette question. Donc, c'est très important de ne jamais donner de la nourriture à la faune parce que vous voyez, il y a un effet un peu cascade, un effet domino de toutes les conséquences que ça peut avoir sur eux et aussi potentiellement sur vous. Ah, on voit qu'il y a un petit peu de compétition, les positions s'échangent. Encore quelques questions pour changer l'ordre. Alors, la quatrième question. Les téléphones cellulaires ont toujours une bonne réception dans les parcs nationaux. Vrai ou faux? Alors,
Qu'est-ce que tu en penses, Anaïk ? Eh bien, alors, ça dépend dans quel parc on se trouve, mais quand on parle des parcs nationaux des montagnes, c'est rarement le cas. Je peux vous dire que rien que pour faire ce programme, il a fallu un peu se creuser la tête pour trouver un endroit qui avait une réception consistante pour pouvoir vous parler maintenant de là où on est. Il faut savoir qu'avec la neige, avec les conditions météorologiques, parfois les antennes sont recouvertes et à un endroit où il y avait une bonne réception, il n'y en a plus. Donc c'est important de ne pas dépendre de votre téléphone lorsque vous partez aux randonnées, d'utiliser les moyens de communication par satellite qui sont beaucoup plus fiables. Et puis je tiens aussi quand même à préciser que les téléphones, la batterie ne dure pas pour toujours. Donc si vous avez tout sur votre téléphone, ça peut être une situation difficile en fin de journée quand vous n'avez plus de batterie. Donc, non, ce n'est pas fiable. Surtout quand il fait froid, les batteries durent encore moins longtemps. Eh oui, ouais. C'est un problème que j'ai appris de mes propres expériences, que je ne vous recommande pas. On choisit son téléphone en fonction pas mal de ça. Alors, la cinquième question. Vous vous préparez pour une randonnée. Que devriez-vous mettre dans votre sac à dos ? Un écran solaire et un chapeau, une perche à autophoto, une perche à selfie, des vêtements chauds et un imperméable. Ou les réponses A et C. A et C étant le triangle et le rond. Ah oui. Mais écoutez, c'est... Ouh. La réponse la plus correcte, c'était A et C. Après, si vous avez de la place pour emporter une perche ou un stick selfie, il n'y a aucun problème, mais vous devriez toujours avoir écran solaire, chapeau et vêtements chauds. Vous avez vu sur l'une des vidéos où je parlais, on commence au soleil et on termine avec une tempête de neige. Alors certes, on est en plein hiver, mais ça peut tout à fait arriver au mois d'août. On peut se faire surprendre par le temps. Et c'est quand même agréable de ne pas être en t-shirt et en tongs quand on est en plein milieu d'une randonnée. Donc, apportez le matériel adéquat. Et si vous avez de la place et que ça ne vous ennuie pas de porter du poids supplémentaire, libre à vous d'apporter d'autres choses aussi. Pourquoi pas amener un hamac, un jeu de quilles, tant que vous c'est le portez. Ça, un jeu de cartes. Il faut prendre le minimum pour survivre et après le reste, c'est du bonus. C'est ça. On va y aller avec la sixième question. Quel est le meilleur moyen de vous préparer pour une visite dans les parcs nationaux ? Ouh. Après le sac à dos. Alors, préparer une valise remplie de friandises, consulter les pages web de Parcs Canada et faire beaucoup de recherches. Vous faire couper les cheveux pour bien paraître sur les photos. Ne rien faire, qu'est-ce qui pourrait bien vous arriver ? Bien, bravo ! Alors, la majorité a trouvé la réponse. Donc, c'est important de se préparer en amont quand vous faites n'importe quel voyage. Se renseigner sur les conditions du parc ou trouver de l'information sur les sentiers, tout ça. C'est très important et on a plein de très bonnes ressources qu'on peut partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à les consulter en ligne avant de venir dans les parcs. Est-ce que le changement a changé ? Hey, Mountain Squid est toujours en tête ? Toujours en tête, ils tiennent la tête. On va y aller avec la septième question et l'avant-dernière. Hein, tout peut encore changer. Vous rencontrez un wapiti sur un sentier de randonnée. Que devriez-vous faire ? Vous approchez pour prendre une autophoto avec lui, reculez lentement et donnez beaucoup d'espace au wapiti, enlevez la laisse de votre chien pour qu'il puisse pourchasser le wapiti ou vous enfuir en criant. Moi, j'aimerais ça en voir un, en tout cas, un wapiti. Donne-nous la bonne réponse, Anaïk. Vas-y, je te laisse. Alors, c'est bien. La majorité des gens ont trouvé. Il faut reculer doucement et laisser beaucoup d'espace. On ne recommande pas avec des animaux sauvages de réagir de manière très excentrique, très excitée. C'est important de garder son calme et de leur laisser de l'espace. Pourquoi on dit aux gens de ne pas prendre de photos avec eux ? Vous ne savez pas, selon les périodes de l'année, par exemple, les cerfs ou les wapitis peuvent être en rut, ou les mères protègent leurs petits et ils peuvent être particulièrement agressifs. Ça peut être un petit peu déroutant parce que si vous allez, par exemple, dans le parc national Jasper, vous pouvez voir ces animaux
en plein centre-ville, qui ont l'air d'être complètement accoutumés aux êtres humains, mais ils sont très sauvages. Donc gardez vos distances, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et si par hasard vous les rencontrez sur un des sentiers, reculez doucement, laissez-leur l'espace, faites demi-tour. Et maintenant, la dernière question. Ouh, on explose, c'est dévoilé. Quel suspense jusqu'à la fin. Ça va être serré. Alors, la dernière. Tous les animaux sauvages peuvent être dangereux. Vrai ou faux? La photo est géniale. Alors, selon vous, les animaux sauvages, est-ce qu'il faut se méfier de tous ou pas? Vrai, et alors certains mettent faux. Eh bien écoutez, nous, ici, dans nos parcs, avec la faune qu'on a, on estime que tous les animaux peuvent être dangereux. Je vous parlais des petits écureuils, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne sont pas porteurs de maladies, que lorsqu'ils vous mordent, votre blessure ne peut pas s'infecter. Donc vous devriez considérer que tous les animaux potentiellement sont dangereux et leur donner beaucoup d'espace. C'est aussi quelque chose à garder en tête quand vous donnez de l'espace à la faune. Vous les respectez aussi. Alors, qui est le grand gagnant? Ouais, hein, on est curieux de savoir. Hein. Alors, finalement, coup de main, j'ai perdu. Il était devant moi, là, il est là. Bon, je parle du tour, mais je m'excuse. Elle est revenue, ouf. On a récupéré Nike. Alors, oui, je suis toujours là. En tout cas, félicitations à Windhawk, qui a gagné, qui était les meilleures bonnes réponses et le plus rapidement. Mais merci à tous d'avoir participé, c'était vraiment le fun de jouer avec vous. Et merci à Nike, parce qu'on a appris plein de choses grâce à toi. C'était vraiment cool. Alors, c'est pas fini, il y a une partie où vous pouvez vous poser vos questions. Alors, je vais appeler ma collègue. J'ai invité une collègue qui s'occupe de la gestion des conflits animaux-humains avec Parc Canada. Mais si vous avez des questions concernant la sécurité des visiteurs, n'hésitez pas à les poser, on essaiera de répondre au mieux. Donc, quand je parle de ces deux rôles, la sécurité des visiteurs, ça concerne les gens qui répondent aux appels à l'aide des visiteurs qui sont envoyés souvent par les dispositifs de communication par satellite, les appareils de communication par satellite. Mais pour la gestion des conflits humains-animaux, j'ai Sarah avec moi et en général, elle se déplace lorsqu'il y a des problèmes liés directement à un animal sauvage, mais ils font aussi beaucoup d'autres choses. Donc, je vais inviter Sarah derrière l'écran à se présenter et je vais traduire ce qu'elle vous dit. Hello everybody, my name is Sarah. I'm a member of the Human Wildlife Coexistence Team here in Lake Louise. We work to make sure that people and wildlife interact safely. So whether that's in a campground or on the road or talking to people, we just try and make sure that we're all staying safe. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs groupes qui sont bilingues, mais je vais quand même traduire. Donc, Sarah, elle s'occupe de tout ce qui est coexistence humain et vie sauvage. Ils font en sorte que les visiteurs soient en sécurité, que ce soit dans les campings, sur les routes. Ils s'occupent de tout ce genre de problèmes. Did you have something else to add, Sarah, about your role, or are you ready for questions? I'm ready for questions. Okay, so, si vous voulez écrire vos questions et... on peut les traduire et les donner à Sarah qui fera au mieux pour vous répondre. Bonjour Sarah, on a vraiment hâte de poser plein de questions à vous deux parce que je pense que, moi en tout cas j'en ai plein de questions. Fait que, on va y aller avec les classes d'abord. Est-ce qu'une des deux classes serait prête à poser sa première question? Parce qu'ils vont pouvoir la poser directement plutôt que l'écrire. En fait, ils vont pouvoir venir au micro puis jaser. Fait qu'on va y aller avec la classe de Madame Elisabeth Barrette. Est-ce que quelqu'un serait prêt à venir poser une question? Voilà. Ok, Malena, vas-y. Non, dis-le en français. Alors, il faut bien parler fort, par contre. Marina, je ne t'entends pas. Voilà, tu parles vraiment plus fort parce que c'est loin, l'Alberta. Il va falloir qu'ils t'entendent. Hein. What is it like to be animal protectors? Did you hear the question? Was in English. Hear it. Est-ce qu'on peut répéter la question un peu plus fort? What, oui. what is it like to be what? Qu'est-ce que c'est? In wildlife conservation. Quel est comme le rôle? Comment c'est l'emploi de travailler dans la conservation des animaux?
How do you like, how is it like to work in the position you're doing right now? Yeah, it is amazing. I'm really lucky to work in this role. I really love the combination of being able to work with wildlife. So I get to work with some really exciting animals like bears and elk and cougars and wolves. But I also really love that I get to talk with a lot of people as well and really work towards making sure that everybody has a great experience here, but working to see our wildlife persist as well. Alors, Sarah se trouve bien chanceuse de faire ce travail. Elle adore parce qu'elle a l'occasion de voir beaucoup d'animaux sauvages différents, des ours, des loups, des cougars, des wapitis, des élans. Mais elle travaille aussi en collaboration avec beaucoup de départements et elle aime l'idée de pouvoir protéger, aider des visiteurs à rester en sécurité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sarah? Je suis sûre qu'il y en a d'autres. On va aller voir la classe de Madame von der Klick. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, c'est dans le noir, mais c'est bon, vous êtes là. Allô tout le monde. Enchantée. Est-ce que vous avez une question à poser à Anaïk ou Sarah? Vous êtes encore sur mute, par exemple. Donc, il va falloir enlever le micro. Puis, s'il vous plaît, parlez le plus fort possible pour qu'on vous entende bien. Have you ever saved an injured animal? That is a great question. I've been pretty lucky. We don't deal with injured animals too much, but we do sometimes have birds that hit windows, and we're able to take them back to our office, maybe keep them in a box, let them recover, and then be able to release them again. Sometimes we have animals that we just were able to see that they're injured, and we can keep an eye on them. So sometimes maybe we'll collar them, or sometimes maybe we'll just go out to look for them. But we definitely do have the chance to do that on occasion. Alors, je vais quand même expliquer en français, même si beaucoup d'entre vous, encore une fois, ont l'air de très bien comprendre l'anglais. Bravo. Mais oui, ça leur arrive. C'est pas forcément tout le temps, mais par exemple, s'il y a des oiseaux blessés, ils peuvent les mettre en sécurité dans des boîtes, les ramener au bureau et pouvoir s'en occuper, garder un œil sur eux. C'est pareil pour d'autres types d'animaux aussi. Ils les surveillent, ils monitorent leur situation. Donc voilà, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des situations. Alors, je ne sais pas si les classes vont avoir une autre question. Peut-être que je vais pouvoir les traduire aussi avant de répondre si au besoin. Mais en attendant... moi, j'ai une question. Est-ce que ça arrive vraiment souvent, ce que vous dites là? Comme les... tantôt, dans les vidéos, on a vu plusieurs situations. C'est-tu un par année, un ou 10 ans, ou c'est comme à tous les jours que ça vous arrive puis que vous devez avoir des interventions dans le parc? So related to that question, how often does that happen that you would have to rescue, you know, hurt animals? Like... Yeah, so it doesn't happen too often. I would say during the summer, maybe once or twice, because the animals that we work with here are wildlife, they're really good at taking care of themselves. So sometimes if they're injured, we do let them recover on their own. The only time we really work with animals, if they're injured, would be to take in like a bird and put it maybe in a box for a little bit. Donc, la réponse de Sarah, c'est que la plupart des animaux sauvages sont très bon pour s'occuper d'eux-mêmes. Donc, ils vont garder un œil sur eux, comme elle a expliqué, mais ça arrive peut-être une ou deux fois pendant l'été. Les animaux dont ils s'occupent le plus souvent, ceux qui sont blessés, c'est souvent des oiseaux. Super, merci Sarah et merci Anaïk. Est-ce que la classe de Madame Barrett aurait une autre question par hasard? Est-ce que ça vous tente de poser une deuxième question? Ah, je vois une main levée. Quel est l'animal le plus souvent qui a besoin d'être comme s'éloigner des groupes? Ouh. Pour la gestion, vous voulez dire, est-ce quel animal ils ont besoin de garder loin des gens en général? Ouais, bah comme qui vient, ouais. Je pense que c'est comme celui qui vient le plus souvent, pour les gens le plus curieux en fait. What's the animal you deal the most with that you have to keep away from people, or more like keep people away from that animal, I guess? Yeah. So the animal that we deal with the most are bears. So here in Banff, we deal with both grizzly bears and black bears. They're really smart, and there's a lot of areas where they have really good habitat, but people also are maybe hiking or camping. So we have to kind of try and allow people and bears to be in the same space, or kind of keep them a little bit apart. But bears are the ones we deal with almost every day in the summer. Oh,
Donc, lui, il est dans le parc national Banff, on a et des ours noirs et des grizzlies, et c'est l'animal le plus courant qui rentre en interaction avec les humains. Donc, il s'occupe vraiment de faire en sorte que la coexistence se passe bien, parce que on veut que les gens aient accès au parc, fassent leur randonnée, fassent du camping. Et souvent, les animaux sont intelligents et savent se mettre de côté. Mais parfois, il faut intervenir pour laisser de l'espace à chacun. Ça arrive à quasiment tous les jours à l'été, je pense. Et ça arrive quasiment tous les jours, en effet, yes. Oui. On a des équipes de gardiens qui s'occupent d'aller sur l'autoroute numéro 1 et de disperser la foule qui s'accumule parce qu'il y a souvent des ours. Donc Sarah a un petit peu expliqué, mais selon l'endroit où se trouve la nourriture dans la saison, que ce soit en bas dans la vallée ou en haut, ils peuvent être à différents endroits selon l'été, et parfois ils sont en bas de la vallée parce qu'il y a plus de baies, de bonnes choses à manger, donc on peut les retrouver plus facilement sur les bords des routes. Les gens sont tentés de s'arrêter parce qu'ils voient peu d'ours, mais c'est pas quelque chose de sécuritaire à faire du tout. Je pense que les ponts ou les tunnels sur les autoroutes justement d'Alberta, et en tout cas du BC en général, est un des autres programmes qu'on a fait avec de vos collègues. Et si vous êtes curieux de voir comment marchent les ponts ou les tunnels, etc., pour que les animaux sauvages tracent les autoroutes, c'est un autre des programmes. Et la vidéo était vraiment le fun, et plein de photos vraiment cool avec des caméras et tout pour aller voir les animaux. To the underpasses and overpasses that you animals use, and how cool it was. Actually, they showed a video like in another program about using these different places to safely cross under and over the highway. Exactly. On va y aller avec la word maybe to share about that as well, or yeah, sure. That's so. We really try and make sure we know that when highways they're crossing animals' habitats. So we don't want to just put up fences and keep animals from using different areas. So the underpasses, the overpasses help them to still use all the same areas. And it helps them to be able to not have to always walk through areas like campgrounds or the town. They can use other areas to get around safely. And it's been really helpful. It's reduced the number of animals getting hit and killed on the highway by a huge amount, which has been amazing. Almost, I believe, over 90% for deer and other things. Oui, alors tout à fait, comme l'explique Sarah, ce sont des passages qui sont souterrains ou qui passent au-dessus de l'autoroute sur des ponts de verdure. C'est d'ailleurs assez joli. Et ça permet en fait de ne pas fragmenter l'habitat de ces animaux parce qu'on veut qu'ils soient capables de traverser l'autoroute. Donc on met souvent des barrières ou du grillage pour que les animaux ne se retrouvent pas sur l'autoroute. Mais on veut leur donner les moyens d'accéder à différentes parties du parc. Et ces endroits sont ces passages sont placés de façon stratégique pour donner aux animaux la possibilité d'éviter les endroits fréquentés comme les campings ou les villes. Ils ont d'autres recours. Il y a une autre chose aussi qui existe. On fait aussi ce genre de passage pour la vie aquatique, pour les poissons. Donc, on considère vraiment tous les animaux dans ce panel de passages. Voilà. Super. Au moins, les oiseaux, ils sont tranquilles. Eux, ils peuvent y aller. C'est comme ça passe tout seul. Les oiseaux, birds are fine. Les oiseaux. Merci beaucoup pour ces détails, c'est super intéressant. On va y aller pour une dernière question avec la classe de Madame von der Flix. Il y en a une, je pense que quelqu'un est prêt. Alors, vas-y. Do you guys only deal with animals in Lake Louise? Merci pour la question. Alors, on se demande si votre job, c'était seulement à propos des animaux au lac Louise, là. Mais je pense que c'est parce que vous êtes basé au lac Louise, mais c'est-tu un problème plus généralisé aussi? Je pense que la question va venir un petit peu là-dedans. Do you only deal with animals in Lake Louise or like in other areas? Yeah, I guess. Yeah, so I work in a large portion of Banff and all of Yoho and Kootenay National Parks. So while a lot of our staff are here in Lake Louise and we do deal with a lot of animals here, we deal with animals in a lot of different areas. So all the way down into Kootenay and Yoho and all the way up to the border with Jasper.
and we deal with different animals in different places. So we have a lot of bears we deal with here in Lake Louise. We work with, you know, elk down in field. We have different animals we work with in different areas. But because we have areas like, you know, campgrounds and day use areas and hiking trails everywhere, people interact with wildlife in all different areas of the parks. And even though we have different challenges in each area or different animals in each area, we do try and manage them in different ways in different areas, but we're all over the place, it seems, so not just here in Lake Louise. Donc pour répondre à la question, Sarah, comme vous pouvez voir, son équipe est très occupée. Ils sont complètement dans trois différents parcs, donc selon le parc ou selon l'endroit dans le parc, ils gèrent différents types de situations et d'animaux. Donc à Lake Louise, c'est beaucoup les ours, particulièrement les grizzlies. Mais par exemple, dans le parc national de Yoho, c'est les wapitis qui peuvent être un problème parce qu'une partie de l'autoroute n'est pas grillagée, donc ils traversent l'autoroute, donc il faut s'occuper de ça. À Kootenay, ça peut être les mouflons d'Amérique. Donc, ils ont beaucoup de kilomètres à faire pour régler toute cette situation et ils prennent aussi en compte les endroits où ça se passe. Donc, est-ce que c'est une aire de fréquentation diurne ou est-ce que c'est un camping, ou est-ce que c'est en ville? Voilà, ils ont tous ces paramètres à gérer. Donc, non, pas seulement Lake Louise, ils sont vraiment partout sur la carte de Lake Louise, Yoho et Kootenay. Il y a de la job en masse pour vous autres, en tout cas, là, vous ne vous ennuierez pas. Merci pour toutes les questions posées par les classes et pour avoir joué avec nous. C'était super intéressant et vraiment cool de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis un grand merci à Anaïk et Sarah pour la présentation, les vidéos, puis tous les bons conseils pour faire des randonnées en sécurité dans des super bels endroits. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour conclure, puis dire au revoir à nos chers amis qui nous sont joints avec nous aujourd'hui. Would you like to say something to our groups before you take off for the rest of your day because you have a busy schedule? There are bears around today, so we're keeping an eye out, but nothing seen yet. But yeah, just thanks for tuning in. I hope you guys learned a lot today, and we'd love to... if you see us, if you come visit, especially if we're doing some wildlife work, feel free to come and say hi. We love to share what we're doing with folks. So we'd love to see you all out here. And thanks for taking time to chat with me today. Merci, Sarah. Thanks, Sarah. Bye. Donc, Sarah disait qu'ils ont déjà des ours aujourd'hui qu'ils surveillent. Les ours commencent à se réveiller. Donc, elle va devoir repartir pour s'occuper de ce genre de situation. Mais que si vous venez ici au lac Louise et que vous voyez des gens qui travaillent avec les animaux, n'hésitez pas à vous arrêter, à poser des questions. Ils aiment partager le travail qu'ils font. Ils aiment partager leurs connaissances. Voilà. Vous ne sentez pas mal d'aller vers eux et de leur poser des questions. Alors, quant à moi, je tiens à tous vous remercier aujourd'hui d'avoir participé à ce programme en français, en direct du lac Louise. Voilà, j'espère qu'un jour, bon, pour les gens qui sont à Banff, ça sera sûrement plus facile de venir cet été. Vous êtes probablement déjà venus. Mais si vous êtes un peu plus loin, en Ontario ou au Québec, j'espère vraiment que vous aurez l'opportunité de venir voir en vrai ce paysage magnifique quand la neige a fondu et que le lac est bleu translucide. C'est vraiment magnifique. Alors, n'oubliez pas, être prévoyant et bien se préparer, c'est vraiment essentiel. Et nous avons beaucoup de ressources en ligne qu'on peut mettre à votre disposition et que vous pouvez regarder par vous-même. D'ailleurs, dans quelques instants, on va partager des liens avec vous directement sur l'écran. Un qui explique la démonstration de la bonbonne de gaz poivré. Donc ça, j'aimerais vraiment que vous le regardiez si vous ne savez pas comment utiliser cet outil qui est très important pour votre sécurité. Mais aussi le site de Parc Canada, de Banff et d'autres choses intéressantes. Bien sûr, lorsque vous venez dans le parc, nous avons aussi tout un tas de brochures, de cartes et sentez-vous à l'aise de venir d'approcher quelqu'un qui est en uniforme de Parc Canada pour aller poser toutes vos questions. On est là pour y répondre. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore et je vous dis au revoir et je vous souhaite également une excellente journée et peut-être à bientôt. Super, c'était vraiment intéressant. Puis, je trouve que c'est plein de travail qui t'attend. Puis les classes, on va devoir y aller aussi. Hein. C'est malheureusement la fin, mais merci à tous de s'être joints à nous. Puis vous pouvez revoir en rediffusion les autres vidéos si ça vous intéresse ou les prochaines qui s'en viennent. Jusqu'au mois de juin, on a plein d'autres programmes super intéressants dans les parcs, avec le monde de Parc Canada, dans différents parcs du Canada. Bonne journée à tous! Bye! Merci beaucoup!